Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et que votre mois de janvier aussi. Janvier pour nous a été un petit peu compliqué. La varicelle s'est invitée chez nous. D'abord avec les filles et 15 jours plus tard, c'était au tour d'Alan. Trois varicelles, donc sur un mois complet, on est ravis que ça s'attrape qu'une fois. On est crevés. Enfin, tout ça c'est derrière nous et on est tranquille avec ça. Quant à moi, il y a une semaine, j'ai eu 40 ans. Et oui, j'ai 40 ans aujourd'hui. Et je le vis plutôt bien. Cependant, en baladant sur YouTube, j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'on n'y trouvait que des vidéos de make-up et de vêtements. Donc, voilà à quoi est cantonnée les femmes aujourd'hui de 40 ans, au maquillage et aux vêtements. Alors, j'ai rien contre ces domaines, bien au contraire. Même si je suis une bille dans ce domaine. Je n'ai rien non plus contre les filles dont qui c'est la passion, je peux le comprendre. Cependant, nous cantonner toutes au maquillage et aux vêtements, je trouve ça honteux. Donc je pense que je vais faire quelques vidéos sur le sujet, histoire de montrer quelque chose d'un peu différent. Et oui, à 40 ans, on est sûr de soi, on sait ce qu'on aime. Et ce, dans plusieurs domaines. Je pense qu'il serait intéressant de pouvoir voir tout ça. Il y a quelques temps également, avec Eric, on commence à s'intéresser vraiment à notre consommation et à la production de nos déchets. Et oui, on s'est aperçu qu'on produisait énormément de déchets. Alors oui, on est une famille de 5 personnes, mais quand même. Donc on a commencé à changer nos habitudes quotidiennes. Alors attention, on ne part pas dans le minimalisme, ni dans le zéro déchet. C'est pas notre truc et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est consommer mieux et un peu plus écologique et surtout plus responsable. Pour ce faire, on a commencé à faire un maximum de fait maison, que ce soit dans l'alimentaire, mais également dans les produits qu'on utilise au quotidien. Et bien sûr, là, mon anniversaire oblige, Eric a eu la bonne idée de m'offrir une Soda Stream, ce qui nous permet de consommer de l'eau gazeuse sans avoir à acheter des packs encombrants et effectivement de produire des bouteilles vides à gogo. On est à peu près à 3 litres d'eau gazeuse par jour ici, donc vous faites le calcul, je vous laisse faire le calcul vous-même. C'est vraiment beaucoup plus économique et bien plus écologique. Mais ça, on fera une vidéo sur le sujet, c'est quelque chose qui commence à nous tenir vraiment à cœur. En attendant, je vais vous laisser découvrir les quelques images de mon 40e anniversaire et on se retrouve juste après. Thank you.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Instagram, Facebook et YouTube, c'est le moment pour le faire. Je serai ravie de vous y retrouver. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !